Un sourire, des chants et danses, ce sont là les moments forts qui ont marqué la 17e édition de Tam Tam d'Afrique Erod. Ce samedi 30 décembre 2019 à Azalaï Hôtel de Cotonou, des distinctions de mérite suivies de trophées ont été décernées à plusieurs personnalités qui se sont faites remarquer dans leurs différents secteurs d'activité. Aussi, Tam Tam d'Afrique Erod n'a pas passé sous silence les 50 ans de carrière de l'artiste Senna Joy. Le vert du jaune et rouge, c'est encore l'emblème de Rasta. C'est aussi le reggae. Quand tu es une femme combattante, tu es une Amazone, une guerrière de l'éducation à travers les jeunes filles et jeunes garçons, tu as toujours montré ta nervosité quand il s'agit de dire non. J'en sais quelque chose, mais je pense que ce gâteau, ce ne sera pas un fruit, ce ne sera pas une nourriture, mais ce sera également de la chair humaine, de la chair de Dieu, la chair spirituelle qui va fortifier son ton corps et qui te donnera la longévité. Elle a reçu le prix Palme d'Or de reconnaissance avec une parcelle de 500 mètres carrés d'une valeur de 2 millions offerte par l'entreprise Royal Service de M. Sulpice et le Tec Bagidi et d'une assurance santé et produits pharmaceutiques pour le reste de sa vie. Tout ceci grâce au docteur Bouraïma Aboudou. Enfin, le prêt-à-porter point de luxe de M. Joss Couton a gratifié la diva de la musique béninoise d'une robe d'une valeur de 250 000 francs CFA pour sa future soirée concert FES 50 ans. Je sous-signé M. Sulpice et le Terre Bagidi offre une parcelle de 500 mètres carrés à Sizazé dans la commune d'Abomey-Calavi à 500 mètres de la voie, sinon de la RNIE 2 à Madame Élise Aimé Gaillon, auteure, compositrice, chanteuse béninoise dans le cadre de la célébration de ses 50 ans de carrière musicale organisée par la Fondation Tam Tam d'Afrique et World. Je prends en charge la santé de maman. Déjà, dès demain, maman peut déjà passer à la clinique pour les bilans de santé. Ce fut aussi l'occasion pour Tam Tam d'Afrique Erod d'honorer les internationaux. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, Ahmed Abobo a décroché le prix Palme Diamant du meilleur acteur de développement pour tous ses exploits à la jeunesse. Madame Malga Kadjaka Abouyima, notaire et actuellement députée à l'Assemblée nationale du Togo, quant à elle, a reçu la Palme d'Or de la femme leader et actrice de développement africain. Le prix Palme d'Or du meilleur chercheur et promoteur de la médecine africaine est revenu au Burundais Jotun Nkora. Au cours de cette importante cérémonie, le groupe Zank Sokoza de Maître Sosou Kwaku Zankpo Donan reçoit le prix Diaspora, meilleure entreprise de production et de distribution de produits cosmétiques afro dans le monde. Quand m'inviter ici pour recevoir le prix qui récompense les grands acteurs de développement en Afrique, je ne m'attendais pas à être honorée, distinguée, seule femme de la cérémonie. J'ai été vraiment touchée par ce prix qui me motive davantage à œuvrer dans le sens de l'amélioration de la condition de vie des démunis. Et je crois que si je suis ici, là, c'est parce que je lutte pour la cause des démunis et améliorer la condition de vie de la veuve et de l'orphelin. Et surtout, tendre la main à ces enfants-là de la rue qui ne seraient jamais quelqu'un sans l'aide, sans qu'on leur apporte une petite aide. Pour finir, des attestations de soutien ont été remises à l'honorable Yakubu Malerosu, à Didier Toulassi, à Ulrich Adjovi, Obé Vlavonou et Madame Chantal Tiakwe, ambassadrice Vlisco,
tous partenaires de Tam Tam d'Afrique Award. Rappelons que la cérémonie a connu la présence du DGCNCB Alima Touba Darou, de Madame Adrienne Zekba, directrice des ressources humaines de EcoBank, Monsieur Daton, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'honorable Awa Efalola, de Guy Woku, PDG Fireforce Productions, Bruno Danon, PDG AS Auto et plein d'autres encore.